Alors tout de suite, ce face-à-face entre les deux gardiens, analysé par Pierre Sled. Castaneda, beau proton. Depuis la semaine dernière, Jean Castaneda, le capitaine de l'AS Saint-Etienne, n'en est plus son gardien de but. Le titulaire, c'est lui, Jean-Pascal Beaufreton, dont la rentrée à Laval a coïncidé avec le premier point pris à l'extérieur par les Verts. Une entrée en matière réussie, d'autant qu'il n'était pas forcément évident de prendre la place de l'enfant du pays. J'avais peur au niveau des supporters, quoi. Moi, je savais que les médias allaient en faire un gros titre, quoi, en disant que Jean était évincé de l'équipe. Jean Castaneda, c'est un monument à Saint-Etienne. M. Herbin nous avait dit à Jean et à moi que nous étions en concurrence l'un et l'autre. Bon, en début de saison, il a privilégié l'expérience avec Jean, tout en disant que je n'avais rien à me reprocher sur le début de saison. Bon, les résultats aidant, c'est un peu Jean qui a tiré un peu le mauvais lot, quoi. La concurrence entre deux gardiens est un problème très délicat. Dans ce domaine, le football, ce n'est pas la guerre, mais ce n'est pas non plus le challenge de l'amitié. Il ne faut pas se leurrer, l'émulation est impitoyable. Vous savez, deux gardiens en concurrence, c'est difficile d'aller manger les uns chez les autres. Mais bon, on ne s'est pas du tout la tête, quoi. Bon, on se disait bonjour, mais il n'y avait pas de très très grandes affinités. On ne se tirait pas la bourre tous les deux, mais... Je serais vraiment hypocrite d'aller le voir en disant « bon, c'est pas grave, ça aurait l'impression de me chambrer ». Comment vivez-vous cette situation? C'est très difficile, hein. Je crois que c'est une chose qu'il faut accepter, c'est certain, je l'accepte. Je ne fais pas ni des déclarations fracassantes ni quoi que ce soit, je continue à travailler, je suis toujours dans le groupe et j'essaie d'apporter ce que je peux apporter maintenant. Et demain, je joue enlevé de rideau et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est le rôle aussi des gardiens de but quand il y a la concurrence qui s'établit. On parle davantage d'un changement lorsqu'il s'agit d'un gardien de but, car à ce poste plus qu'à tout autre, le joueur a besoin d'être serein quand il joue. Et puis, quand il ne joue pas, la meilleure qualité dont il puisse faire preuve, c'est encore la philosophie. Allez, récupère.